Et salut tout le monde, c'est Ritalix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'épisode 2 donc, de Banjo-Kazooie. Et oui, du Banjo-Kazooie, c'est pas du Amnesia. Et vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas la face view et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. C'est que la caméra, enfin, ce qui me sert de caméra d'habitude c'est mon téléphone. Sauf qu'il se trouve que celui-ci est en réparation. Du coup j'ai plus de caméra, du coup plus de face view. Et du coup j'ai préféré faire du Banjo-Kazooie plutôt que de l'amnésia le temps que je récupère le téléphone qui devrait arriver au courant de la semaine prochaine ou celle d'après, grand maximum vraiment. Parce que amnésia, sans ma tête d'effrayé, c'est pas drôle. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Je suis un effrayé sur amnésia. Donc du coup, bah, on se retrouve pour du Banjo-Kazooie et quelques autres jeux de temps en temps. Si jamais j'en ai qui me passent par la main, je ferai des vidéos dessus en attendant le retour d'Amnesia. Mais quand ce sera Amnesia, je vous ferai 3 épisodes à la suite, c'est promis. Pour me venger, pas me venger, mais me faire pardonner, voilà. Donc on va rentrer dans la grande gueule, faut dire, elle a une grande gueule, de Gruntilda, je crois son nom, j'ai oublié en fait. Grun quelque chose. Ah, attention. Et du blabla. Vieux machin. Pas mal l'insulte quand même. Si je peux le faire. Le voleur, c'est parti. Il mourra et moi je ris. Ah, tu ris quand t'en es. Blague à la con. C'était la blague de merde du jour. Alors attends. Oh, il y a une pièce de puzzle. En fait je savais parce que je m'en rappelais. Coucou, je suis une pièce de puzzle. Attends, c'est quoi cette voix? Envie de chercher un tableau avec une pièce manquante. Bon, on a donc une pièce de puzzle qui va nous servir à... Non, c'est pas par là. Alors, attends. Si je me souviens bien, ouais, c'est là pour tourner. Attends. Qu'est-ce qu'elle est moche. Et pixelisée au passage. Et encore, elle est plus belle quand elle est pixelisée qu'en vrai. Voici le premier monde, la montagne de Mumbo. Tu dois trouver une pièce de puzzle, mais je l'ai dans ma poche, connard. Pour ouvrir la porte, cherche bien. Elle ne doit pas être loin. Bah oui, elle est dans ma poche, je viens de te dire. Bon. C'est sûr qu'elle est pas loin. Ouais, oh, bizarrement, il manque une pièce de puzzle. Je sais pas du tout qu'est-ce que je dois mettre dedans. Non, franchement, j'ai aucune idée. Non, je vais peut-être chercher par là. Bon, allons-y. Ok, il y a un truc, il a plus besoin de parler. Quoi. Pour accéder au monde du tableau, tu dois remplir les espaces vides avec des pièces de puzzle. On a la première pièce, grenade. Très bien. Pour remplir l'espace vide, appuie sur A. Pour ne pas utiliser de pièces de puzzle, appuie sur B. Ok, et ben alors j'appuie sur A. Voilà. Et le monde s'ouvre. Ouais, t'es fantastique. Cette énigme était la plus facile. Ah, tu m'étonnes. Connasse. Je trouve quand même que les personnages de jeu sont un peu handicapés quand même. Quand on voit la vitesse à laquelle ils parlent, si t'as pas le temps de lire... Non, vraiment, si t'as pas le temps de lire... voilà quoi. T'as le temps de lire et de lire un livre en même temps, tu vois. Le temps qu'il y a un autre mot qui s'affiche, tu lis une ligne de ton livre et tout. Ouais, bon, je vais me taire parce que je pars dans un délire là en fait. Alors on se retrouve dans la montagne de Mumbo avec les premiers ennemis. Les premiers vrais ennemis qui sont pas des légumes.
Ouais, des mouvements spéciaux, trop vite mes taupinières. Ouais, je vais trouver tes taupinières. Mais attends, c'est ça, c'est... Non, ça c'est pour sauter, donc ça c'est pour taper. Enfin, viens là. Bah... Et bah... Oh, merde, j'avais pas vu lui. Bah lui, il m'a pas vu non plus. J'ai pas vu arriver celle-là. Ah, il s'est pris dans le cul. Oh, j'ai un truc là. Ok, je sais plus à quoi ça sert ça. Moi gris gris de Mumbo. Moi bon pour magie Mumbo. Ok, moi à comprendre. Du moins, moi je pense. Ouais, tu m'as sauvé, Gruntilda a emprisonné 5 gingers comme moi dans chaque monde. Libère-nous et tu as là une pièce de puzzle. Ok. Bien que j'aurai une pièce de puzzle. Oh merde. Si je me gourde touche. Ok. La musique. Eh, j'ai plus le temps de taper quoi. Eh, laisse-moi. Voilà. Ça n'en est rien, toi. Toi aussi t'en veux une? Une bif de bec, ok, figure. Je leur fais une bif de bec. Voilà. Il y a des notes de musique qui vont parler dans 3 secondes. Je suis l'une des 100 notes de musique de ce monde. Donc il y en a 100 par monde. Trouve-nous toutes pour ouvrir les portes numérotées. Ah oui, parce qu'il y a des portes numérotées dans le jeu, ouais. Avec une icône de notes dessus. Tu peux pas avancer tant que t'as pas suffisamment de notes. C'est un peu comme les portes à étoiles dans Super Mario 64. Tant que t'as pas le bon nombre d'étoiles, tu peux pas passer. Et ben là, c'est pareil. Ah, là, rien. Non, tu m'as pas vu, toi. Tac, 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 oui. Ok, 16 sur 100. Wouhou ! Ok. Alors là, faut que je nage, donc c'est comme ça. Ok, il n'y en a pas d'autres. Si, là-bas. Bon, ça va, il respire longtemps, le mec, sous l'eau. Le mec, c'est un ours sous-marin, quoi. Il a des réserves d'air, mais comme pas possible. Oh là là, il fait une marche arrière, là. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. À part là. C'est un source marin. Bon. Ok, on remonte à la surface parce qu'on a trouvé les notes. Et on va aller par là-bas. Là-bas, j'ai dit. Là-bas. Voilà. Caméra à la con. Oh non. Avec King Kong. Avec des bottes. Jolie botte. Arbre de Konga. Moi, frapper ours avec orange, je crois que j'ai dit. Ok. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 3. Oh, une pièce de puzzle. Oui. Trop super. Trouvez 10 pièces de puzzle dans chaque monde. Ils nous t'aideront dans la tanière de la sorcière. Ah, parce qu'il y en a 10 par monde. Moi aussi, j'ai oublié. Si tu désires sortir de ce monde, retourne au départ et marche sur la dalle de sortie. D'accord. Ok. Lui, je sais plus. Il n'y avait pas une topinière par là, il me semble que si. Là, il y a monsieur le singe. Chimpy a faim. Chimpy veut une orange. Vite. Je me rappelle plus comment on peut faire ça. Peut-être en... C'est dans l'arbre, je crois. Non. Si j'y arrive, ce serait pas mal. Non. En grimpant dessus, alors. Je vais pas tourner en bourrique. Je suis un ourscoptère. Cadeau. Oh, Chimpy aime orange de Konga. Chimpy est des gros ours et drôles d'oiseaux. Ok. Mais c'est sûr.
Il était lourd. Il était lourd le chimpanzé pour faire baisser un tronc. Sous terre, carrément. Là, je vais pas arriver. Non, ah, non, ça marche pas. Ok, j'ai des œufs, ils vont parler. Eh merde. Nous sommes des œufs. Kazooie peut apprendre à nous lancer. Ok. Oh, mais ça va pas me faire chier, ça, aussi, là-haut. C'est quoi, ce manière? Là, voilà. Skill maître. Skill papa, là. Ok. Alors, hop. Monsieur la top. Allez, René la top, sort de cette manière. Il est temps pour toi, l'oiseau, d'apprendre la technique des œufs. Je t'écoute, mon petit bouchon. Maintiens le bouton Z, puis appuie sur CO pour cracher un œuf. Merde, c'est quoi la touche CO? Waouh, c'est cool. Autre chose, appuie sur C bas et tu pourras jeter un œuf par les... par le cul, faut le dire, hein, par le cul. Gueux, ça doit faire mal. Ah bah tu m'étonnes. La petite caille peut porter jusqu'à 100 œufs. Putain, 100 œufs dans le bide. Wow. Les mecs, le pire, tu l'écrases sur la route, ça te fait une homme légère, quoi. Ouais, 50 œufs pour t'entraîner. Ton énergie est faible, je vais arranger ça. Ah bah merci. Même si apparemment elle était full, mais bon. Alors, donc c'est Z. Non. Si, Z et C. D'accord, C haut et... et Z et C bas. D, D. Ouais, ça va. P fort en plus. On fait un P fort œuf. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, on dirait que c'est ma journée des jumeaux. Round 1. Bonsaï! Tu veux une banane toi? Oh, calme-toi. Je suis con, bien sûr qu'il veut une banane, c'est un singe. Il va avoir mal, oui, merde. Bon, ben, apparemment non. Oui. Ok. Et merde. Pourquoi? Oh, attends, il me semble que... attends, je suis pas sûr, mais si on vise comme ça... et qu'on fait paf tac. Non, ça marche pas. Il me semblait qu'on pouvait tirer des œufs en vue pour première personne. Mais non, ce n'était qu'un souvenir à la con. Un fake souvenir. Ouais, bouffe ton œuf. Ouais, ours battu, conga. Moi, donné. Pris. Qui va être une pièce de puzzle à tous les coups, voilà. Ouh, pas mal. J'étais une de ces pirouettes aériennes là, tag. Sans appui et tout. Ah. Hey, mais bon, on lance des trucs. Je t'ai battu, connard. Hey, tu veux te rebattre, toi, des bastons là. Ok. Tac, tac, tac. C'est par là, mais on peut pas monter comme ça. Ça glisse dans le coin. Hein. Trouve-moi et je t'apprendrai à monter, blablabla. Escalader les pentes. Oh tiens, j'ai oublié lui. Connard. Tu te l'as permis, lui. Oh, elle est notre là-bas. Oh, pirouette. J'avais envie, oh, bon. Une pièce de puzzle, là, je vais apprendre après. On revient là-dedans. Ah, un deuxième Jindo. Jindo. La pièce de puzzle. Ok, on en est à 4 sur 10 dans ce niveau. Là, il y a des œufs. Ok, il n'y a rien d'autre. Tiens, si, j'ai mis une top. J'ai vu René. Ah, il y a un crâne. Allons voir René. Il est mignon, 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 mignon.
Le Turbo Sprint permettra à Kazooie d'escalader certaines pentes. Cool. Comment fait-on? Tire le bouton Z et appuie sur C gauche. Dirige ensuite Kazooie avec le stick tout en maintenant Z. Entraîne-toi. Ton énergie est faible. Il saoule ma gueule, elle est full mon énergie. Oh là là. Bon. Alors, donc c'est Z. Et merde, j'ai oublié. Non, c'est pas ça. J'ai pas suivi en fait. Enfin, si, j'ai lu, mais ça m'est sorti de la tête aussitôt, je crois. Ah, je trouvais, c'est C gauche. Ah, ok. Ah, que ça va plus vite. Ok. Ah, non, 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 tu me touches pas, toi. Moi qui te touche. Ah, ok. Une autre fourmi, oui, alors. Aïe. Connard. Tu vas voir. De quel bois je me chauffe pas. Ok, là, il y a un trou. Nous rentrons dans le trou. Fantastique. Oh non, j'aime pas ce passage, pour pas dire que je le déteste. Les casse-couilles, c'est tout. Le truc est juste là pour te faire chier. Mais putain, mais il va. Oh, mais te. Ah, mais. Et en plus, de toute façon, si je me souviens bien, il me faut la magie de Mumbo. Donc, comme je le sais, on va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps, et c'est un truc qui sera en vain. Ok, là il y a encore une top. Je sais pas ce qu'elle va m'apprendre cette fois, j'ai plus d'idée là. Je n'ai aucun souvenir. Oh, une pièce de puzzle. Oh, un truc de même beau. Voilà. Oh, si j'ai fait. Alors attends, comment que je vais l'atteindre? Comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça, je dis. Bala bala. Donc bien sûr les vidéos je pense pas qu'elles vont durer un niveau. Enfin, elles dureront à mon avis moins d'un niveau. Hein. Parce que les niveaux sont quand même parfois assez longs. Donc, du coup, peut-être parfois plusieurs vidéos pour un seul niveau. Etc. Laisse-moi tranquille. Bah apparemment. C'est pas une mauvaise idée de taper. Ok, là il y a une note. Là il y a une note. Oh, je me rappelle d'un truc. Alors attends. Comment qu'on fait ça? Attends, tac. Faut que je vise. Ok. Ah, gobe. Tu vas la gober ton œuf, oui. Et. Mais t'es dedans là, oh! En fait, il va falloir le faire d'ailleurs. Voyons voir ce qu'il veut me dire là, René. René, dis-moi. Que dois-je faire? Voici l'attaque dite du Bécasso. Saute puis appuie sur Z pour que Kazooie écrase le sol avec son petit bec d'amour. Je tiens à mon bec d'amour, moi. Je suis content, j'ai trouvé la touche pour parler plus vite parce que c'était Kazooie en fait. Du coup, j'ai rien. Cool, bonne joke, tu as découvert tous les mouvements de ce monde. Ouais, bah du coup, je sais plus c'est quoi. Tac. Ok, c'est Z. Hihi, puzzle. Enfin, pas puzzle, musique. Ah merde, je l'ai pas prise. Bravo, tu as récupéré suffisamment de notes pour ouvrir la première porte. Ouais. Moi, je m'arrête pas dans un niveau tant que j'ai pas tout. Si j'ai la flemme. Ce qui va m'arriver souvent. Très souvent. Parce que Rétalix, eh ben, si vous le savez pas, Rétalix est un flemmard. Un gros flemmard. Ah, mais tu vas venir là, toi. Ok. Non. Tac. Ouais, un Jinjo. Plus que... Oh bah plus qu'un.
Oh, une vie. Et ça. Oh, une pièce de puzzle. Je m'attendais pas à ça. Très bien. Bon, bah, du coup, où est-ce que je tire, moi? Enfin, d'où est-ce que je tire? Parce que. Là, ça va pas toucher ici. Attends. Vue première personne. Je sais qu'il faut lui mettre dans la bouche le truc. Mais le problème, c'est que je sais pas. Je sais que ça rentrera pas, mais ça va pas passer, non. Peut-être à partir d'ici, c'est la même hauteur après tout. Pourquoi pas. J'ai vraiment du mal avec les touches. Ah, j'ai cru que le jeu avait bugué. Ah mais du coup je vois pas. Bon bah on va faire au pif. Comme ça, tac. Ah, sérieux, ça rentre pas. J'ai pas moyen de tourner à vue. Ah, comme ça. C'est toujours mieux que rien. Bon, ok. Tac. On voit le temps qui m'est arrivé. Lui, il était pas dedans là. Qu'il a frôlé sa bouche quoi. Ok, donc faut peut-être que je vise un peu plus à droite. Je suis prêt à parier qu'il y avait une putain de touche pour tirer quand même. Bon, vous savez quoi, on verra ça plus tard. De toute façon, on va se laisser et je vous dis qu'on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur itx.fr, MedGM sur Facebook, Twitter. Qu'est-ce que je dis? Non, vous avez. Je m'embrouille. Ouais. Non, mettez j'aime sur la vidéo et vous abonnez sur Facebook, Twitter. Voilà, c'est ça. Ou vous abonnez, bien sûr, sur la chaîne, ça marche aussi. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez aimé. Hein. Ça me fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous avez pas aimé, et ben, vous abonnez quand même. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. bon, ciao tout le monde et au prochain épisode. Ciao, ciao.